le savez très bien, c'est la bonne humeur. Eh oui. Et nous parlons ce matin donc de Instant Humour. Et nous vous proposons de recevoir le pasteur Zan. Il vous dit simplement bonjour comme ça. C'est le plaisir que j'ai à écouter, monsieur Alain. Vous mettez un article par rapport à mon nom. C'est pas bon, c'est monsieur pasteur Zan. Ah, voilà. C'est pas le pasteur. Non, quand ça devient le, c'est la profession. Alors que si c'est non, nous avons pasteur Zan. Voilà, nous avons monsieur pasteur Zan. Monsieur pasteur. Voilà, je le revendique sérieusement. Ah oui. Ah ouais. Pourquoi j'aime pas. Si on ne satisfait pas à vos revendications, vous n'irez pas. Ah non, la réforme, c'est ça. Hein. Vous revendiquez quand c'est nécessaire. Ah, donc, moi, je revendique parce que c'est mon nom. Parce que je ne veux pas des confusions bizarres. Les gens vont te regarder bizarrement. Un pasteur dit ce que tu dis là. J'ai dit non, ça c'est la profession. Ok, d'accord. Là, ici c'est le nom. Alors, ce matin, à quoi avons-nous droit? Quand j'ai toujours la vie, je le dis. Nous allons rester à l'école du jeu. Ouais, nous allons rester dans le jeu. Mm-hmm. Vous savez que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est le jeu. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ceux qui adorent véritablement le jeu, tout le temps nous a trompés par rapport à ça. C'est dans les films. Vous avez déjà regardé les films Jackie Chan, les Coca-Cola, Bruce Lee là. Ouais. Il y a une partie qui m'intéresse dans l'affaire. Laquelle? C'est quand le chef bandit vient frapper l'enfant de l'acteur. Parce que bon, on disait chef bandit, on dit l'acteur quand on était petit. Et du coup, à la fin, l'acteur, c'est son papa qu'on a tué. Vous comprenez? Et en ce moment-là, on a tué le papa de l'acteur. On a tué le papa de l'acteur. Et le papa de l'acteur était petit. Et il vient constater la mort de son père avec son oncle. Vous comprenez? L'acteur était petit quand on a tué son père. Oui. Et maintenant, lui, il vient constater la mort de son papa avec la présence de son oncle. Et là, le papa se réveille quand l'enfant vient. Il dit « Vengeance ». Tu comprends? Le papa dit « Vengeance ». Ça veut dire que dans un dernier effort... Dans un dernier effort, c'est quand l'enfant... Il a l'énergie pour dire... Voilà. Et il dit « Vengeance, vengeance, et il décède, ping. Tu comprends? Et quelques secondes après, l'enfant grandit. Pasteur Zan. Alors que le film ne dure pas des années. Non, le film ne dure pas des années. Mais c'est un film, c'est du cinéma. Mais c'est ça le jeu. C'est juste pour vous faire comprendre que il est temps maintenant que le Bénin commence à être dans le jeu. On est trop sérieux dans ce pays. Mm-hmm. On est trop sérieux, quoi. C'est-à-dire, les 400 cours qu'on a reçus à l'université, là, on est trop accrochés à ça. Oh non, on peut être relaxé, tu vois, on peut dans le jeu. Les Américains, tu vois, par exemple. Hein, tout le quartier est en danger. Ouais. Hein, il y a le feu. Et c'est en ce moment, sa femme qu'il adore tombe dans l'eau. Et il laisse savoir tout le monde. Il va sauver la femme. Il la met, il fait bouche à bouche. Et quand la femme, tu vois, en ce moment-là, tout le quartier est en train de brûler. Vous comprenez? Oui, mais il prend quelques secondes pour embrasser ça. À travers le jeu, on nous montre l'amour. Oui, mais il prend quand même le temps de sauver sa femme d'abord. Il sauve sa femme. Il saute rapidement. Non, il peut sauver sa femme. Il peut sauver sa femme. Et en ce moment, laisser aller faire ou bien appeler ça à pomper. Vous comprenez? Mm-hmm. Mais c'est pour nous montrer à travers ce jeu que tout en faisant le jeu, il peut avoir du sérieux. Mm-hmm. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Donc, c'est dans le jeu, j'ai parlé du sérieux. Plus de sérieux. Oui, non, ça il faut moins de sérieux. Il faut dans moins le de jeu. Sérieux. Tu vois, et quand on est dans le jeu, quoi, tu vois. Par exemple, bon, en Afrique, c'est le Nigeria qui nous a un peu trompé avec les magies où la femme disparaît, bam. Et après, la femme reparaît, bam. Tu vois. Et on a vécu ça quand on a pensé que ça, c'est chinois, là. À la Nigériane, le visage. Et c'est pas si. Tu vois. On est tout le temps dans des combats. Ainsi, je ne sais pas quel côté spirituel qui a tué, quel côté. On n'a qu'à laisser ça, tu vois, nos pindins aussi. Tu vois, on peut être ici maintenant avec une bière, tu vois, en train de boire, tu vois. Donc, on laisse tomber un peu les codes. On laisse les codes, tu vois, c'est ça. Quoi. On ne boit pas de l'alcool au bout. Je sais. Bon, vous n'avez même pas le choix. Et puis, très tôt le matin, comme ça, se mettre à prendre de la bière, c'est quand même ça. Bon, vous savez, ça dépend de chacun. Ah bon? Chacun sait ce qui le réveille. Et vous, qu'est-ce qui vous réveille, vous? Ah ouais, Agbedego, Amana Iwe. Hey. Agbedego, Amana Iwe, Agbedo Mansingo, Amana Iwe. Le gars n'a pas chanté comme ça, il a dit Gary. Non, mais quand même. Mais est-ce que dans le monde, il n'y a pas droit d'interprétation, il n'y a pas d'auteur compositeur? Ça, c'est vrai. Moi, j'interprète et je vais revenir finir la chanson. D'accord. Alors, c'est un album, quoi. Si je le dis, les gens vont pirater. Ok. Donc, en fin d'émission. Je vais finir la chanson comme ça. Donc, vous n'êtes plus seulement humoriste.
Mais oh là là, une deuxième carte. Mais attendez, l'humour là, c'est quoi? Tu peux avoir humoriste chanteur, tu peux avoir humoriste professeur, tu peux avoir humoriste journaliste, tu peux avoir humoriste pasteur. Tu peux avoir humoriste pasteur. Qui donne Pasteur Zane? Pasteur Zane, on vous retrouve en fin d'émission pour le deuxième passage. Allez. Notre humoriste du jour, Pasteur Zane. Voilà, il a dit de ne plus dire le Pasteur Zane, c'est Monsieur Pasteur Zane. Alors, pour votre deuxième passage, oui. J'ai pas oublié, vous aviez dit que vous allez continuer la chanson parce que vous voulez parler d'un album. Tu vois, il faut toujours faire la promotion, nous sommes à la télé. Écoutez la chanson. Agbadeko, Amana Iwe. Agbadeko, Amana Iwe, Agbado Masingo, Amana Iwe, Surabiko Fouaton, Kana Atonwe, Surabiko Fouaton, Kana Atonwe, Sonu Malekon, Wevi Mane Mawa, Sonu Malekon, Wevi De Mawa. Vous parlez ou vous chantez? Bon, le style maintenant là, chacun choisit. Il y a les slammeurs, il y a les rappeurs, il y a les hardcore. Ah, et vous avez autre. Maintenant, moi, j'ai fait la fusion. Ah ouais. Et chanteur va se retrouver, slammer va se retrouver, hardcore va se retrouver, chacun se retrouve. Chacun c'est le style quoi. C'est un artiste polyvalent. Non, mais c'est exactement. Mais tu vois, j'ai rendu hommage à Surabi parce que. Non, vous ne pouvez pas comprendre. En fait. Encore qu'hier, on parlait du Surabi. Oui. Non, mais vous savez, ce monsieur est tranquille dans sa maison. Et bon, moi, je ne sais pas. Hein, je vais revenir un peu sur notre virus qui a perturbé tout le monde, le coronavirus. Depuis que c'est annoncé, des gens qui n'ont jamais consommé Surabi en ont consommé parce qu'ils ont dit que à Masingo, c'est-à-dire c'est bizarre, à Agbado Masingo, ils ont dit que c'est coronavirus. Et les gens ont commencé à consommer. Oh la chose, c'est le seul médicament qui n'a pas de date de péremption. Ça n'a pas de date de péremption. C'est vrai en plus. Ça n'a pas de date de péremption. Je te dis que le gars est tellement féroce. Un individu qui finit de le consommer et lui-même se met à pleurer. On ne sait pas si c'est. On l'a forcé à boire. Je ne sais même pas, toi. C'est bizarre. Et bon, je connais des gars, je te jure. Ils en ont pris sérieusement. Et on ne fait pas de mélange. Voilà encore un monsieur qui est très, très jaloux. Quand tu le consommes et que tu mélanges, c'est fini. Ah ouais, tu retrouves le ciel. Hein? Mélanger avec quoi? Oui, n'importe quelle boisson. C'est-à-dire, quand tu prends si jamais tu prends le vin original là, et que tu te permets d'aller utiliser avec les vins exportés, tu comprends? Ça devient plusieurs vins dans ton corps. Oh, c'est africain. Un alcool métis dans votre corps, c'est-à-dire alcool africain et alcool, tout ça c'est 20-20. Nous sommes dans un monde de globalisation. Je t'ai dit, et là... Il ne faut pas tout globaliser. Il faut faire très attention. Tu te retrouves au ciel. Tu vois, des individus qui en ont fait, sérieusement, ils ont consommé. Et du coup, ils ont décidé de rentrer à la maison. Et tous les trois bourrés, ils rentrent dans le taxi. Le gars savait déjà qu'ils ne peuvent pas reconnaître si la voiture file ou pas. Il met des mains à la voiture, tout en restant stable. Il accélère. Il fait 5 minutes. Il éteint, il dit, vous êtes venu à la descente. Sans avoir bougé. Et les gars ressortent et le gifle, pam, pour dire, la prochaine fois, il faut aller doucement. Tu as trop filé. Ils ne se sont pas assurés, ils sont venus. Ils sont venus à la maison. Le gars pour son âge. C'est pas possible, ça. C'est les filles. C'est ça. Je te dis, les filles de l'alcool. Mais dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir. Non, mais non, c'est l'alcool. Mais le conseil, c'est ça. Parce que quand tu prends 3 talopémi, là, ça fait 125. Ça fait 3 boules d'Akasa. Ça fait 5. Ça fait 25 francs, les boules d'Akasa. Oui. Donc, 125, ça fait 5 boules d'Akasa. Ouais. Donc, quand tu prends 3, tu as déjà gaspillé 125. C'est très important. Et vous le consommez sans manger. Les gens connaissent les prix. Oh non, ouais, je suis un chercheur. Non, on ne peut pas venir dire n'importe quoi sur une opinion d'un camion. N'est-ce pas? Voilà. Mais l'alcool nuit gravement à la santé. On ne cessera jamais de le dire. On écrit. Oui, on écrit. On écrit, mais ça ne c'est pas vrai. Non, c'est déjà.
ils écrivent les choses. Ils écrivent l'alcool également là. Mais c'est réel. C'est réel. Oui, on sait. C'est réel. La santé de l'homme, la santé de la femme enceinte. L'essentiel, c'est de ne pas consommer l'alcool. L'alcool n'est pas. Parce que franchement. Ne pas en abuser. Moi, je connais. Quel rôle ça joue dans. Ah non, ça joue. Un grand rôle. Je te dis. Ah, d'accord. J'avais dit tout à l'heure que chaque matin, chacun sait ce qui le réveille. Voilà. Apparemment, c'est ça qui vous réveille. Façon, vous insistez. Non, puisque je vis au village, nous savons. Tu vois, ils ont des expressions. Il y en a où, mais tu vois, c'est des expressions. Allez, pour leur brosse dents là, c'est ça. Et là, comme ça, et l'alcool détruit tout ce qui est là. Ah bon, non, ça, le bain de bouche. C'est, oui, oui, c'est quand ça. Vous êtes au village là, c'est. Mais là, oui, vous, non, mais pas. C'est de la clozacérine, quoi. Ça, c'est pas possible. Allez, Pasteur Zahar, on serait mieux terminé. Merci beaucoup. Merci, excellente journée à vous.